Salut Julien. Salut Lionel. Aujourd'hui, on présente une Jura. Oui, la Jura J80. Tout à fait. Alors, dans la gamme J, on va retrouver pas mal de modèles, dont cette fameuse Jura J80. Attention, dans les modèles J, on a des modèles avec Aroma Plus et des modèles sans Aroma Plus. Celle-ci est sans Aroma Plus. Celle-ci est sans Aroma Plus, tout à fait. Par contre, elle va avoir... Un écran TFT, merci Julien. Du plus bel effet. Bravo. Du plus bel effet. Donc, tout à fait. Donc, particularité, donc, cette machine, c'est une J avec écran TFT, mais sans l'Aroma Plus. Sans l'Aroma Plus. Exactement. Alors, belle machine. Regarde un petit peu les finitions, quand tu touches, c'est granuleux, voilà. c'est de la bonne qualité. Tout à fait, c'est du. Donc, c'est de l'ABS, c'est du plastique, bien sûr. D'une belle facture, d'une belle épaisseur. Oui. On est, c'est de la, clairement dans la qualité. Là. Voilà, on a un bel assemblage. Mmh. On est quand même sur une vraie J, on va dire. Oui. En noir mat, c'est un petit peu la tendance du moment. Des petites touches chromées comme ça, c'est magnifique. C'est un petit peu voiture de luxe, un petit peu haut de gamme. Exactement. Une belle finition. Oui. Une belle finition. Comme généralement chez Jura, la finition, il n'y a pas grand chose à dire. Ils sont très très sérieux. Alors, on a. Un bac à grains d'une contenance de 250 grammes. Attends, je vais montrer à. Vas-y, je t'en prie. Voilà. J'aime bien. Donc 250 grammes. Alors double couvercle en fait. Ouais. Alors tu montrais le couvercle qui n'a pas de petit joint silicone. Ouais. Pas très grave parce qu'en fait on a deux couvercles qui se superposent et franchement c'est étanche. Oh, oui. Voilà, donc pas de soucis. Puis les grains, du coup il n'y a pas de lumière dessus, il n'y a pas de. Exactement. Donc un peu naturel. Ça c'est bien, 250 grammes. Ici on a un petit bac à eau. 2,1 litres. Un grand bac à eau. Pareil, grand bac à eau. Un grand bac à eau dans lequel on va y insérer une cartouche. Une cartouche filtrante pour protéger sa machine. Voilà, la machine est neuve. En plus, ici on n'a pas trop de soucis de calcaire. Même pas du voilà. Tout. Mais bon, la machine est neuve, on va la laisser au client. Suivant. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Et ici, le petit bac de rangement, tu vois, on a la petite cuillère. Oui. Doseuse. Tout à fait. Et on voilà. pourra y mettre, si on veut, une buse plus tard. Exactement. On achètera après. Séparément. Parce que c'est pas livré avec la machine. Non. Donc, sur le devant, regarde, hop, on tire. On a le bac à barre, donc 14 galettes, une belle contenance. Une belle contenance. Toujours pratique, en fait, les bacs qui se retirent. C'est que ça par l'avant. Ouais. On l'avait carrément, c'est mieux pour suivant les cuisines et tout. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, tu vois, on a aussi le. En contrepartie, des fois, le bac à eau se retire par l'avant. Là, c'est bon, il faudra même peut-être tirer la machine. Après, ça dépend de la configuration de sa cuisine. Exactement. Ça n'est pas une machine compacte. C'est une machine qui est plutôt volumineuse. Donc, de toute façon, on sait que ce ne sera pas étriqué entre deux éléments. On sait que ça sera. Ben, en plus, quand on a ce type litres, de machine, voilà, il faut quand même montrer sa machine. Oui, hein. Elle est belle. C'est quand même très très beau. Même l'arrière. Enfin, on va remontrer l'arrière, si tu veux bien. Hop là. On va remontrer l'arrière, Anthony. Hop là, regarde ça, un petit peu. Ah, c'est comme le câble est un petit peu pour. Voilà, merci. Ça, c'est magnifique. C'est donc, sur un comptoir, c'est du plus bel effet. Ah, oui. On peut voir l'avant, l'arrière, le côté. Il n'y a aucun problème, il n'y a rien à cacher sur la machine. Non, tu as vu, ils ont mis du plastique brillant sur. Et de ce côté-là, ça se fait rire. Donc, le contraste mat brillant est franchement sympa. Bel effet, franchement sympa. Allez, hop. Voilà, donc pas très grave en fait si on a le bac à eau qui se ressort sur le côté ou sur le dessus. Parce que justement, cette machine elle est faite pour être montrée. Voilà. Et donc voilà. Par contre, avoir le bac à main, ça reste quand même pratique pour pas trop bouger sa machine. Puisque je voulais te montrer, c'est pratique parce que tu vois, donc on a bien sûr le bac à main. Et tu vois, pour vider l'eau, en fait, ça se passe par là. Des fois, en allant à l'évier, tout à fait. On connaît ça ici, on renverse un petit peu là. Non, c'est très pratique, ça sort par là. Tout à fait. Et le côté sympa, en fait, de cette plaque, c'est que même s'il y a un petit peu de marre qui va tomber autour, ça tombera sur la plaque. Et pas dans l'eau. Et pas dans l'eau qui est en dessous. L'eau restera entre guillemets propre. Ouais. Voilà, on n'aura pas une sorte de. C'est normal, mais. D'accord, c'est mieux. C'est bien pensé. Voilà. C'est du genre, en même temps. Voilà. C'est normal. Donc, c'est une machine qui permet de faire évidemment du café, bien sûr. Alors, des café ristretto, café court, café long. Les types de café. On va retrouver ça. Tiens, d'ailleurs, si tu veux nous montrer en fait toutes les possibilités. Ouais, allez, Anthony, approche-toi. Molette, donc voilà. Ristretto, latte macchiato, cappuccino, lait chaud, de l'eau chaude, deux café. Deux espressis, j'aime bien, tu vois, deux espressis, ah, tout à fait. Hop, allez, un espresso. Deux ristretti, un ristretto, et on a fait le tour. Tout à fait. Donc, plein de choses. Donc on peut faire plein de choses très sympas avec cette machine. Et surtout, on peut tout paramétrer. Exactement. On peut tout paramétrer, on a un menu, tu veux que je te montre tout de suite? Allez, vas-y, montre-nous. Hop. Alors là, ce qui est super sympa, le fameux écran TFT nous permet en fait de naviguer en fait dans les menus de façon très très intuitive, très très simple. Ouais. C'est pas tactile, on a un petit bouton en face, mais bon, c'est pas gênant.
Donc tu vois, le mode expert, on rentre dedans. Ouais. Et là, on peut maintenant paramétrer. Par exemple, on va faire deux espressis, tu vois. On va paramétrer pour nous. Donc quantité, donc du 50 ml. D'accord. Un espresso 25 ml. Ouais. On enregistre. Et on peut régler aussi la température de l'eau. Alors moi, je l'aime plutôt. Voilà, on va mettre normal. C'est normal, normal ou élevé, en fait. Ouais, normal. Donc, normal. Hop. Voilà. On peut faire ça avec toutes les boissons, bien sûr. Toutes les boissons, et par exemple sur les boissons lactées, on va pouvoir renseigner la quantité de lait, la quantité suivant de café, sévère, voilà, exactement. La température, le temps de pause, etc. et tout. Voilà. Donc, c'est vraiment, après, on a bien sûr les menus de nettoyage, d'étartrage, mode expert, on vient d'y aller, s'il y a un filtre ou pas, rincer le circuit du café, la dureté de l'eau, rincer le système de lait. Tout à fait. C'est important l'histoire des filtres, parce que quand on renseigne le fait qu'on a mis un filtre, donc une cartouche filtrante sur le côté, ça va nous indiquer quand il faut changer la cartouche. Exactement. Et ça va nous indiquer quand il faut faire le détartrage. Parce qu'évidemment, il y aura moins d'étartrage à faire avec quand une cartouche que quand on a Sur la dureté de l'eau, si on peut régler. Exactement. Et la cartouche, il faut la changer parce que c'est très bien pour protéger la machine du calcaire et autres. Mais au bout d'un moment, le problème, c'est que quand il faut la changer parce qu'on emmagasine tellement de petites impuretés dans l'eau que ça finit par les relibérer quand on ne respecte pas les temps de changement. Donc il faut les changer. Et la cartouche filtrante, rappelons-le, sert évidemment à protéger la machine, mais aussi sert à nous donner un bon goût de café. Oui, voilà, c'est en fait, ça va retirer aussi les goûts de l'eau. Oui. Voilà, si on utilise évidemment une eau de source, on n'aura pas le problème, mais si on utilise une eau de robinet, on a souvent des goûts de javel. Oui, voilà. C'est vrai qu'on pas forcément très agréable. Avec l'eau de source, pas besoin de mettre des cartouches. Évidemment. Voilà. Mais par contre, il faudra détartrer plus souvent. Oui. Voilà. Alors, allez, on va se faire un petit café, deux petits cafés. S'il te plaît, je voudrais un ristretto. Non. Alors on a des becs qui sont réglables en hauteur, cette machine-là, et en largeur, voilà. Ça c'est pas mal. Parce que parfois, quand on a des tasses très étroites par exemple, ben on joue un petit peu, ouais. et pour le mug aussi, pour une tasse, c'est pas mal. Alors tu m'as demandé un ristretto, donc tu vois, c'est pas dans le menu principal, il suffit simplement d'aller le chercher ici. Oui, parce qu'en fait, on a un menu, on touche l'accès direct, voilà. Voilà. Mais après, bon, il suffit juste de tourner, ça l'active, tu vois. Par exemple, suite. Là, on peut paramétrer cette interface-là, c'est-à-dire que si je fais souvent des ristretto, je peux mettre mon ristretto ici. Ouais. Voilà. Donc là, regarde, hop, simplement ça. T'es dessus. Voilà, deux ristretto. Deux ristretto. Donc deux ristretto. J'appuie dessus, on choisit la quantité, donc 25 ml. Donc tout à l'heure, tu avais renseigné 50 parce que. Ouais, c'était deux ristretto. Ça fait. Ah, c'était les espresso. Ouais, j'avais pas, ouais. Donc on peut, bien sûr. Et on peut le changer en cours de route si on le souhaite. Exactement. Donc la pré-infusion. Et les cafés qui arrivent. Alors sur ce modèle, donc on l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas la Roma Plus. Non. Alors la Roma Plus, c'est quoi? La Roma Plus, c'est le moulin qui broie les grains très rapidement de chez Jura. Tout à fait. Et ça nous permet également de choisir l'intensité du café. Voilà, alors disons qu'on a chez dans le système Aroma Plus, comme tu l'as dit, en fait, un système de broyage qui est beaucoup plus rapide. Ça chauffe pas la mouture. Je crois qu'il est divisé par deux ou par trois. C'est énorme. Assez hallucinant. Ça chauffe pas la mouture, ça brûle pas la mouture. Voilà, et on a surtout un taillage des meubles qui est totalement différent et qui libère encore plus d'arômes sur la partie dans l'extraction. Aroma Plus. Voilà, donc on va goûter l'extraction. Donc, je sais pas si Anthony a bien. Il y a pas mal de mousse, hein. Un bon demi-centimètre, enfin même presque ouais. Un centimètre. Hein. Tout à fait. Super. Allez, on goûte. C'est quoi comme café? C'est du mélange maison. D'accord. Voilà, on a un bon café. Mmh. Un bon café. Tu vois, un petit peu chaud, j'ai pas réglé la température. Je pense que tu aurais pu comme moi, normal. Un petit peu chaud, mais après, il y en a qui enfin, on s'adapte. Quoi. Tout à fait. Alors, ça aurait été intéressant qu'on mette un peu de cette machine-là. Une J9.4 par exemple, équipée de l'Aroma Plus, pour voir la différence gustative. Ce qu'on peut dire, c'est entre les deux machines, entre les deux, c'est qu'on aura une finesse aromatique, une finesse des arômes en fait, qui sera meilleure sur la J9.4, donc l'Aroma Plus, que sur celle-ci. Donc plus de richesse aromatique, on va dire. Et on aura des, on va dire, une crème qui sera plus onctueuse. Voilà. Exactement. Que sur celle-ci, qui a déjà. Bien, très bien même, mais on pourra aller plus loin sur les machines l'arme plus, donc J9.3, J9.4, etc. Donc voilà, à voir si on veut avoir un café, un bon café, on part sur celle-là, si on veut avoir un très bon café, ouais, on part sur le modèle supérieur. Voilà. Mais t'as vu, on a quand même du corps, c'est pas sous-extrait, bien sûr, hein. Parce que parfois les machines automatiques ont tendance à un peu sous-extraire le café, et là non, on a un bon résultat, il n'y a pas de souci, tout à fait. Donc c'est vrai. Voilà. Tout dépend si on veut avoir
une très belle machine avec un bon résultat ou une très belle machine avec un très bon résultat. Voilà, c'est ça la différence, c'est tout. Dans tous les cas, on aura un bon résultat. Exactement. Alors, cette machine est équipée De l'arôme, donc... One Touch. Ouais, voilà. Merci, excusez-moi. D'un système. One Touch, donc qu'est-ce que One Touch? Ça permet, en appuyant sur une seule touche, de faire un café. Donc en fait, on va avoir le lait qui va se préparer ici, et également le café, on n'a pas besoin de déplacer sa tasse. Tout à fait. En cours d'opération. Et si on en faisait un? Allez, juste c'est parti. Alors ici, Anthony, regarde, déplace-toi un petit peu. On a, voilà, un petit bouchon, on le retire. Ouais, c'est ça. Tac. Et on vient... Je vais mettre mon pichet de lait. Y insérer. Hop. Simplement le tuyau. Voilà. On le met dedans. Hop. Et on trempe le tuyau à l'intérieur. Voilà. Tout à fait. On peut mettre directement dans la brique de lait. C'est ce que j'allais dire. Oui, dans la brique de lait. Puisque nous, c'est des biberons de 5 litres, donc c'est pas évident. On va pas mettre le biberon de 5 litres, mais bon. Tout à fait. Voilà. Donc, regarde. Donc, alors, on a trois positions ici. On a la position buse. Ouais, buse. Donc là, c'est quand on va y mettre la fameuse buse qui n'est pas livrée avec la machine. Pour faire monter son lait traditionnellement. Traditionnellement. On va avoir la position, donc, les chauds, on va dire, et puis les mousseux. Voilà. Donc là, nous, bien sûr, on va se mettre sur les mousseux parce qu'on veut un latte macchiato. Exactement. Hop. Donc, t'as vu un peu la hauteur des... Ouais, c'est super. Le verre est quand même grand, là. Hein. On peut encore aller plus haut. C'est vrai. Hop. C'est voilà. Bien. Donc là, on a quand même un grand verre. Donc, latte macchiato, là, c'est la touche est en accès direct. Ouais. Hop, donc dessus là je peux régler l'intensité du café. Ouais. Et la quantité de lait, c'est en secondes la quantité du passage de lait. D'accord. Alors donc là, ça va bien sûr pouvoir être réglé. Qu'est-ce qui se passe? On a le broyage du café qui se fait, voilà. Parce que tout simplement la machine va se mettre en chauffe. Oui. Puisqu'évidemment la température de la chaudière va monter pour pouvoir produire du lait. C'est très rapide, hein, regarde. Et surtout de la vapeur. Hop, c'est plutôt fluide, ça a l'air d'être... C'est de la micro-mousse, hein. Ah, ça, c'est un des gros points forts de Jura. Hein. Gros point fort, c'est la qualité de la mousse de lait. C'est vrai. Et là, que ce soit une J9.2, une J80, une J9.4, 0.3, enfin... C'est vrai qu'elles sont toutes... On aura quand même un résultat qui sera identique. Donc c'est vraiment un beau résultat. Donc tu vois, pause de 30 secondes, ça c'est bien. Ça, c'est super. Pourquoi? Voilà. Parce que le temps de pause permet la séparation du lait et de la mousse de lait pour vraiment avoir un latte macchiato. Exactement, parce que là en fait quand ça tourne, on a la mousse et le lait qui sont mélangés, voilà. Mais comme on a une densité différente entre le lait et la mousse, la mousse va remonter. La mousse va remonter et le café ayant une densité moins élevée, voilà, intermédiaire, il va se passer entre les deux. Voilà, tout à fait. Donc là on voit que ça commence à séparer. On a une couche de mousse qui est impressionnante. Enfin, ça a l'air d'être, impressionnant. Ouais. Légère différence de couleur, donc je sais pas si on le voit à la vidéo. Et nous on le voit ici. Donc tu vois le café, je peux aussi choisir la quantité. Ouais. Disons que c'est paramétrable, mais on peut le changer en cours de route. Ah oui, oui. Oh là là, t'as 5 cm de mousse, je sais pas combien de pas. C'est que ça. Ouais, 5-6 cm de mousse. On est beau là. Impressionnant. Ouais, très impressionnant. Et facile quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. La magie du One Touch, j'appuie sur un bouton. Restez là, Anthony. Je fais juste un petit tour pour bien marquer les étages, que tu puisses avoir une belle image à montrer. Voilà. Superbe. Superbe. Donc évidemment, on peut monter jusqu'au rebord. Ah oui, si on y met plus de lait. Je goûte. Allez, vas-y, chauffe. Donc je ne sais pas si c'est très chaud, parce qu'on se fait toujours avoir avec ses verres. Le para, parce que là, c'est complètement chaud. Tu verras bien. Touché. Surprise. C'est gourmand? C'est juste délicieux. Wow. Attention, le café est très chaud en dessous. C'est quasiment de la chantilly. On a la tête de la mousse avant de... C'est de la crème fouettée, ouais. C'est très sucré, c'est très doux. Ni flocon. C'est pas brûlé. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, une belle mousse. C'est vrai que... C'est presque des œufs en neige, évidemment plus onctueux, mais on a vraiment ce côté crémeux en bouche qui est juste délicieux. Ouais. Puis le café derrière, la force du... Ah, c'est la temakato, c'est gourmand, c'est bon, c'est... Tout à fait. Et c'est bien réalisé et très 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 facilement. Donc ensuite, on va avoir évidemment un système de rinçage. Voilà. Il faut absolument le faire, oui. Puisqu'on a un développement des bactéries évidemment qui va se faire très très vite dans les buses. Dans le lait, oui. Voilà, à cause du lait. Donc on a bien sûr, on l'a vu dans le menu, bon là on n'a pas d'eau, donc il faut le faire via le menu, ou alors on peut, hop, tu peux aussi retirer le menu. Bah il faut d'ailleurs, de toute façon, hop, on va la mettre là, ce qu'on va nettoyer après. Ouais. Comme ça permet de bien nettoyer, en plus on peut lancer le programme automatique, et tout puis, à fait. Ou pourquoi pas avant nettoyer un petit coup sur le robinet, et puis après faire le programme automatique. Exactement.
Bon, pour résumer, on a une machine qui est belle. Magnifique. Voilà. Super, très tendance avec ce noir mat et ce noir brillant, donc le contraste est très intéressant, avec les petits éléments en plastique chromium, c'est sympa aussi. Évidemment c'est du 100% ABS, à part le plateau pour Costas. On a donc un écran TFT qui est franchement très pratique et très beau. La machine est intuitive. Très on n'a pas besoin d'aller dans le menu pour faire ses boissons, en un tour de molette on a accès à tout. C'est un écran éclairé, c'est du plus bel effet. Ouais. Non, c'est vraiment c'est un design, efficacité. Des contenants qui sont quand même tout à fait... On tient à l'aise la journée, voire plus. Hein. Ouais, beaucoup plus même. Et ça dépend après, ah, voilà, la consommation, c'est toujours pareil. Du multi-boisson, un one-touch, très avec efficace. Des boissons à la clé qui fonctionne très bien, un très très bon résultat. Un café qui est bon. Mais on pourra avoir encore meilleur avec sur les modèles supérieurs, mais qui est déjà, bon, déjà tout à fait satisfaisant. Oui, ouais, c'est clair. Au niveau, on va dire, des défauts, bon, à part le café qu'on pourrait avoir encore mieux avec d'autres modèles, je ne vois pas grand chose à dire sur ce sujet. Écoute, moi non plus, parce que, allez, le câble qui est un peu court. Hein, le câble à la limite, peut-être un petit peu court. Voilà, mais bon, sinon, c'est parce que nous, on le branche en bas. Oui, il fallait trouver quelque chose, donc voilà. Un peu court, mais ça, c'est bien. Donc c'est bon, il n'y a pas de défaut. Bon, après, on peut toujours dire le prix, parce que forcément, c'est une machine qui est relativement onéreuse. Oui, mais c'est en même Jura, temps, c'est... Voilà, en même temps, comme tu dis, c'est Jura, donc ça veut dire qu'on a une marque derrière qui est sérieuse, qui a un historique quand même très intéressant et qui permet de, bah, d'avoir une machine à la maison bien pensée, bien finie. Et qui fait du bon café, ça. Et qui fait du bon café. C'est pas croire, on compare surtout à l'Aroma Plus, mais c'est vrai que déjà, celle-ci, le Retta Café, est très bon. Bien sûr. Très très bon. Merci, voilà, Julien. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Tout à fait. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...